exercice. Décembre 1941. Une date à jamais entachée d'infamie. Les États-Unis d'Amérique ont été soudainement et délibérément attaqués par les forces armées navales et aériennes de l'Empire du Japon. Il est évident que cette attaque était planifiée depuis de nombreuses semaines. Au cours de cette période, le gouvernement japonais a cherché délibérément à tromper les États-Unis par de fausses déclarations quant à une paix durable entre nos deux nations. L'attaque d'hier contre les îles hawaïennes a causé des dommages considérables aux forces armées américaines. J'ai le regret de vous annoncer que plus de 3000 Américains ont trouvé la mort. Quel que soit le temps qui s'avérera nécessaire pour refouler cette invasion préméditée et injustifiée, le peuple américain usera de sa force légitime jusqu'à la victoire totale. En raison de cette attaque, lâche et sans motif, commise par le Japon, j'attends de notre Congrès qu'il décrète l'état de guerre.